a acheté un brumisateur. Brumisateur, l'eau à disponibilité. Pas trop de bière, un petit peu, mais pas trop. On essaie de prendre les peu d'endroits d'ombre. Water. Got the water. On vient d'arriver à l'instant, il y a 5 minutes, et on est déjà complètement trempé. C'est très chaud, oui. Mais c'est mieux que les deux premiers jours avec la pluie. Je préfère le soleil. Vous êtes organisé en tout cas. Merci à vous. Voilà, il faut. Hein. Si on peut venir vous voir jusqu'à ce moment-là. Je crois qu'on va. Ouais. Mais dessous. Plutôt pas mal, ça rafraîchit, ça fait du bien. Essentiel. Ouais, non, ça fait du bien. Après une bonne journée de marche, là, ça fait du bien. Mais j'ai moins chaud parce qu'il y a les brumisateurs juste au-dessus. Aussi. Avec cette chaleur, on remercie les brumisateurs. It's great. I mean, you've got the big screens, the misters are really nice, there's tons of shade. Il faut boire beaucoup d'eau, heureusement, il y a de l'eau mise à disposition et éviter pas trop de bière. Un petit peu, mais pas trop. Les espaces pour suivre sont plutôt très sympas, ouverts. Il y a des endroits pour manger, pour boire. Ouais, c'est très sympa, ça donne envie de rester. Il n'y a aucun souci. Les gens qui critiquent, qui font, on va dire, des JO bashing en disant que tout se passerait mal, c'est le contraire. La chaleur ne va pas nous arrêter pour profiter des paris parce qu'on n'est pas parisiens, donc on vient exprès. Et profiter des jeux à fond, voilà. Bah, une ambiance chaleureuse, même avec cette température caniculaire. C'est ça qui est bien, on peut assister à plusieurs sports sur deux écrans géants et voir un peu du monde partout. Des Australiens, des Américains, des Anglais, tout ça c'est très amusant. C'est vrai que depuis samedi, il y a une espèce d'engouement, de ferveur auquel on ne s'attendait pas forcément, vu toutes les critiques avant. Tous les ronchons sont partis et il reste que les gens qui sont contents que les Jeux Olympiques se tiennent ici et c'est une super ambiance. Bravo. Ça faisait un siècle qu'on attendait ça et maintenant qu'on y est, profitons de cette fête. Simplement. Il y a un réel engouement et on le voit dans les tribunes, c'est impressionnant, c'est bon enfant. C'est ouvert à tout le monde, c'est familial, il y a toutes les générations, non, vraiment c'est très sympa. Bravo en tout cas, bravo à la France. Ah, d'ailleurs je suis en bleu aujourd'hui, spécialement pour la France, voilà.